Bonjour, bonsoir tout le monde. Moi c'est Emmanuel Joseph Gentil et on participe à un concours que TechEd a organisé pour 5 années d'existence sous thème comment nous sommes capables de renforcer la cybersécurité en Haïti. Bienvenue tout le monde dans la vidéo. Ça. Nous allons parler de son sujet qui fait partie du thème ça, qui est vraiment important. Qui c'est comment jeunes sont capables de jouer un rôle agent de changement dans la question de cybersécurité en Haïti. Qui gens qui sont cybersécurité important? Nous tous connaissons que la cybersécurité est un problème majeur dans le monde. Et Haïti n'est pas différent. Ça affecte les business, le gouvernement et puis même les citoyens qui utilisent la technologie chaque jour. La question est importante parce que les capacités pour affecter la vie de chaque Haïtien. Là, nous parlons de cybersécurité, nous parlons de comment donner nous protéger, information et puis infrastructure qui est importante contre l'attaque cyber. Ou bien contre piratage. Comme jeune, nous avons un rôle qui est capital dans la sortie dans la situation. Le premier bagage, c'est sensibiliser les gens sur l'importance de protéger les données et les informations. Nous avons organisé des ateliers, des formations, ou soit même utiliser des articles sur Internet qui protègent des informations sur qui les gens sont capables de protéger la tête pendant qu'ils ont utilisé la technologie. Deuxième bagage, nous avons utilisé la technologie pour créer des solutions qui sont capables de détecter et puis défendre contre l'attaque cyber. En plus, nous avons travaillé tout avec l'organisation pour développer une politique qui peut assurer un bon cadre pour protéger l'information au niveau national. L'autre bagaille qui est important, tout, l'EMDI pour nous participer ou bien collaborer ensemble avec des organismes internationaux, c'est parce que le problème ça est global. Alors, nous, tous en Haïti, pas capables combattre pour contre nous. Pour ça, nous avons participé à nos conférences, dans la collaboration internationale, j'aime bien, et puis pour assurer nous avons accès à plus bonnes pratiques et ressources. Pour finir, je encourage chaque jeune qui participe dans le concours, même si vous n'avez pas une expérience pour garder le problème, ça comme une opportunité pour faire une différence. Chaque action, même la petite, a contribué à bâtir en Haïti qui est protégé et résilient devant la menace de l'eau. Je souhaite qu'on pourra permettre nous tous de développer une solution qui est capable de faire Haïti côté qui puisse sécuriser pour tout le monde. Je souhaite que la vidéo soit une source de motivation et de sensibilisation pour chaque jeune capable de connaître qu'il est capable de venir un agent de changement dans la question de cybersécurité en Haïti. Merci pour écouter et je souhaite une bonne chance pour ce concours et pas oublier votre apporté pour moi en pile pour moi capable d'arriver plus loin dans le concours. Merci.